Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan m konnen ou gen problèm? Et puis ke ou kontan kon sa? Ah, m pa kache di ou. Depi m komanse li bib mwen chak jou a, m santi chaj problèm mwen yo soti sou dom. Oh. Si se kon sa, mwen pou al kouvri achete yon bib. Degaje ou manche. Men, an atandan, ou katan de Radio Télévision d'Espoir? Radio Vision d'Espoir? Oh, mwen te tande yon anons kon sa, oui. Men ki sa se a te di? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télé Vision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus, amen. Deux Rois, chapitre 10. Jéhu, roi d'Israël. Il y avait dans Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie aux chefs de Jizril, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab. Il y était dit, « Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez, lequel des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. » Ils eurent une très grande peur et ils dirent, « Voici, deux rois n'ont pu lui résister. Comment résisterions-nous ? » Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens et les gouverneurs des enfants envoyèrent dire à Jéhu, « Nous sommes tes serviteurs, et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne roi, fais ce qu'il te semble bon. » Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit, « Si vous êtes à moi, et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à 7h à Jizreel. » Or, les 70 fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et ils égorgèrent ces 70 hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu, à Jizreel. Le messager vint l'en informer en disant, « Ils ont apporté les têtes des fils du roi. » Et il dit, « Mettez-les en deux tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin. » Le matin, il sortit et se présentant à tout le peuple, il dit, « Vous êtes justes. Voici moi, j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci ? Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. » Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Jizreel, tous ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser échapper
un seul. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Akasia, roi de Juda, et il dit, « Qui êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes les frères d'Akasia, et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. » Jéhu dit, « Saisissez-les vivants. » Et ils les saisirent vivants et les égorgèrent au nombre de 42. À la citerne de la maison de réunion, Jéhu n'en laissa échapper aucun. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rekab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien ?» Et Jonadab répondit, « Il l'est. « S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char, et dit, « Viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. La famille d'Akab et les prophètes de Baal exterminés. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, et il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, « Akab a peu servi Baal. Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs, tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul. » Quand je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, publiez une fête en l'honneur de Baal. Et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y en eut pas un qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, « Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. » Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rekab, et il dit aux serviteurs de Baal, « Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. » Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes, en leur disant, « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. » Lorsqu'on eut achevé d'offrir des holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, « Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte. » Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal au milieu d'Israël, mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël.
et Hazaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain, vers le soleil levant, il bâtit tout le pays de Galaad, les Galdites, les Rubénites et les Manassites, depuis Aroer sur le torrent de l'Arnon jusqu'à Galaad et à Bazan. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait et tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Jérémie en prison. Jérémie chapitre 37. Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Jéconia, fils de Josachim, et fut établi roi dans le pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie le prophète. Le roi Sédécias envoya Jukal, fils de Shelemia, et Sophonie, fils de Masaéja, le sacrificateur, vers Jérémie le prophète pour lui dire: « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu. » Or Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte et les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour me consulter? Voici, l'armée de Pharaon, qui était en marche pour vous secourir, retourne dans son pays en Égypte. Et les Chaldéens reviendront, ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel, ne vous faites pas d'illusions en disant, les Chaldéens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde nommé Jéréja, fils de Shelemia, fils de Anania, se trouvait là. Et il saisit Jérémie le prophète en disant, « Tu passes aux Chaldéens. » Jérémie répondit, « C'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens. » Mais Jéréja ne l'écouta point. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps. Le roi Sédécias l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit, « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? » Jérémie répondit, « Oui. » Et il ajouta, «
tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. Jérémie dit encore au roi Sédécias, « En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en prison ?» Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant, « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays. » Maintenant, écoute, je te prie, ô roi, mon Seigneur, et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Je ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. » Le roi Sédécias ordonna qu'on garda Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donna chaque jour un pain de la rue des boulangers jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consumé. Ainsi, Jérémie demeura dans la cour de la prison. Amen. De Pierre, chapitre 2. Les faux docteurs. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour les jugements, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous.
Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermées. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.